Bonjour, c'est Christelle, bienvenue sur ma chaîne Rêver sa vie en couleur. Aujourd'hui, je vous propose ma première vidéo sur le thème de la couture. Nous allons commencer par le commencement, c'est-à-dire par vous expliquer comment je suis venue à la couture. Donc déjà, je déteste coudre à la main. Les chaussettes trouées, je les jette. Enfin, tout ce qui est troué, je le jette. Enfin, je le jetais. Donc, comme tout le monde pendant le confinement, il a fallu faire, comme tout le monde, comme beaucoup de monde pendant le confinement, il a fallu faire des masques. Donc, c'est par là que j'ai commencé. J'avais une machine à coudre que ma maman m'a donnée et que j'avais jamais utilisée, parce que comme je vous avais dit, ça me paraissait très compliqué. Et donc, je me suis mise à faire des masques. Et voilà, j'ai pris le virus de la couture. Et donc j'ai commencé à m'intéresser un peu à la couture, comment utiliser une machine. J'ai regardé beaucoup de tutos, les tissus qu'il fallait utiliser, donc pour les débutants, notamment principalement le coton, c'est ce qu'il y a de plus facile. Donc j'ai commencé par les masques, j'ai enchaîné, j'ai fait comme ma fille et ma sœur se sont prises d'amour, comme diraient les Québécois, pour le coloriage. Donc je leur ai fait des pochettes. J'essaierai de vous mettre une petite photo. Je leur ai fait. Donc je vous avais déjà présenté dans ma vidéo tricot le pochon que j'avais fait. Voilà, où il y a toujours mes chaussettes hein, qui n'ont pas avancé parce que j'attends mes aiguilles circulaires. Donc j'avais fait le petit pochon. Très franchement, pas compliqué du tout. Voilà. Et j'avais fait la petite trousse. C'est une première. Hein. Donc la fermeture, c'est pas ça. La petite trousse. Bon, faut que j'en refasse une parce que comme vous voyez, j'ai mal doublé. Enfin, je vais retenter, je vais rechercher un autre tuto. Donc j'avais fait ça déjà. Comme beaucoup, je me suis mis pendant le confinement à la cuisine. J'ai fait mon pain, j'ai fait mes yaourts, etc. Et donc j'ai marre d'utiliser du film alimentaire. Donc j'ai fait des petites charlottes à yaourt. Voilà. Donc vous pouvez faire dans tous les formats. Vous pouvez les faire pour les saladiers si vous voulez. Regardez. Donc j'ai fait aussi, mais là je vous montrerai une vidéo parce que je ne les ai pas là, parce que je les ai offerts à mes sœurs et cousines. Je leur ai fait pareil, des petits pochons en plus petit pour mettre des petits accessoires dedans sur le thème de Noël. Donc je vous insérerai une vidéo. Aussi un tapis pour ma machine à coudre. Pareil, je vous mets une petite vidéo. Je crois qu'en couture, c'est tout ce que j'ai fait. Donc, dans un premier temps, donc quand je me suis mis à la couture, comme je vous disais, j'ai été regarder un peu partout. Je voulais pas acheter du tissu trop cher parce que je me suis dit si ça me plaît pas ou si j'y arrive pas, je vais pas mettre de l'argent là-dedans pour rien. Donc, dans un premier temps, j'avais été sur Wish, AliExpress, et je me suis acheté plein de petits coupons. Donc, j'ai des coupons de 25, voyez, 20 sur 20 ou 25 sur 25. Et à la base, c'était pour faire ou des petits patchwork. Enfin, c'était plus pour m'entraîner qu'autre chose. Donc, j'en avais acheté beaucoup. J'en avais acheté plusieurs pour faire les masques et tout. C'était la bonne taille. Donc, j'avais commencé à m'acheter des petits. Vous voyez, j'en ai plein. J'en ai plein, donc je vais pouvoir me faire plaisir à faire des petits trucs colorés pour le printemps. Donc j'avais acheté ça, des petits carrés de coton en fait. Et après, j'ai commencé à m'acheter des coupons un peu plus grands pour faire le pochon. Je voulais faire aussi un sac à pain. Donc j'ai acheté des coupons un peu plus grands. Donc toujours sur AliExpress, Wish. Regardez, j'ai des. Voilà, ça c'est des coupons un peu plus grands qui font 50 sur. Voilà, donc il y a beaucoup de couleurs, ce qui me permettait d'avoir le choix. Là, je ne peux pas vous montrer, mais je m'en suis aussi servi pour customiser les bibliothèques Billy d'IKEA. Au lieu de pour opaque, faire rendre la vitre opaque, pardon, j'ai mis du tissu derrière, donc je me suis servi des tissus. Alors, je voulais vous dire aussi,
parce que moi j'aime bien savoir un peu ce que j'ai en stock, pas pour les petits coupons, mais pour les grands coupons, ce que je fais, c'est que je découpe en fait une partie du coupon et je... Alors là, pas celui-là, c'est pas mon exemple parce que c'était AliExpress, vous voyez, je marque AliExpress 100% coton. Voilà, alors là, j'ai pas mis à combien faut le laver, mais généralement, je mets à combien faut le laver. Là, c'est tissu point net, donc vous voyez, j'ai toujours un morceau de tissu pour les grands coupons. Hein. Tissu point net, donc je garde tout, le lavage, la matière, etc. Comme ça, je peux vite fait retrouver. Alors, attendez que je vous trouve un exemple de butinette. Voilà, butinette. Par exemple, butinette, ces petites rayures. Donc, pareil. Voilà. Donc, je garde tout ça pour les grands coupons. Ça, c'est un tissu alimentaire que j'ai utilisé pour les charlottes à l'intérieur. En fait, c'est un tissu spécial alimentaire, donc qui respire comme ça comment le lait ne tourne pas. Ça, c'est de la... C'est ce qui sert de ouate, en fait. Je vous montrerai, je vous ferai un petit tuto parce que j'ai, en fait, j'ai regardé sur une chaîne Modestie Couture qui fabrique elle-même ses, comment ça s'appelle? Pas ses, ses planches à repasser en fait. Parce que comme ça, quand vous avez un, vous n'avez pas de place pour avoir une table à repasser, vous n'avez qu'à sortir votre petite planche ou une grande. Moi, j'ai fait les deux. Je vous ferai un petit tuto et c'est ça qu'on met dedans. C'est la ouate qu'on met pour fabriquer la table à repasser. Voilà, donc j'ai tout le récapitulatif. Ça me permet aussi d'un seul coup d'œil, d'avoir ce que je peux faire en fait. Hop, par exemple, associer ça et ça, ou associer ça et ça. Enfin, vous voyez, d'un seul coup d'œil, en fait, je peux voir sans sortir les tissus comment je peux les associer. Voilà, ça et ça. Donc, c'est plus pratique, c'est plus rapide. Enfin, pour moi, quoi, parce que, vous voyez, j'ai plein de petits bouts de tissu. Ça, c'est pour mon fils, pour sa chambre qui donne du manga. Alors celui-là, c'est un coupon que j'ai acheté pour faire un sac à pain. Donc oui, ce que je voulais vous dire, c'est que je n'ai pas de projet en cours, enfin en cours de création. Par contre, je vais entamer plein de petits projets. Donc je vous montrerai, je pense que j'essaierai de faire des petits tutos. Mais alors, justement, sur ma chaîne, c'est vraiment des tutos débutants, que ce soit sur ça. Tricot peut-être un peu plus, mais ce que ce, sur la couture, ce sera vraiment des trucs super simples et super basiques. Parce que là, en projet, j'aimerais bien faire une housse pour ma machine à coudre, pour pas qu'elle prenne la poussière. Je voudrais faire aussi, j'ai vu des petits tutos sur quand vous coupez votre tissu, en fait, qu'il est bien à plat, pour pas qu'il bouge, vous créez des pois couture, en fait. Donc vous faites des espèces de berlingots, on va dire, remplis de riz ou d'autres choses. Et comme ça maintient votre tissu. Donc j'aimerais bien faire ça. Je vais faire aussi donc la petite planche à repasser. Je pense que je ferai un petit tuto, celui-là, qui durera 5 minutes, parce que c'est ultra rapide. Donc je vous ferai un tuto sur ça. Donc le ça, j'aimerais bien faire un petit sac à pain. Mais je le ferai après Noël, parce que j'ai plein de trucs à faire. Donc un petit sac à pain avec ce tissu-là. J'aimerais bien me faire... Alors, je fais beaucoup d'accessoires parce que j'ai peur de me lancer dans les vêtements, etc. Donc j'ai beaucoup d'accessoires. Je vais essayer de me lancer pour les premiers vêtements que je vais faire sera avec un pyjama, au moins un pantalon de pyjama, pour voir comment je m'en sors et puis pour voir si j'arrive à lire les tutos. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Ah oui, j'ai cousu pour ma cousine des rideaux pour sa penderie. Il reste plein de chutes. Donc, elle m'a demandé si je pouvais faire des accessoires de déco. Donc, pareil, j'essaierai de vous faire des petits tutos pour, par exemple, faire une housse de coussin, mais très, très simple. Je vais lui faire des pochons. Enfin, j'essaierai de faire vraiment des tutos super courts. Ensuite, donc pour moi, comme vous savez que je tricote aussi, j'ai... Je me suis acheté de la toile de jute parce que vous voyez, ça c'est un petit. J'aimerais bien en fait me faire toujours la même base. Donc j'ai acheté de la toile de jute de deux couleurs. Donc la blanche, on va dire blanc cassé, et la naturelle. Et je voudrais garder toujours cette base en fait pour me faire différents sacs à projet pour mes tricots.
Donc du coup, j'ai acheté ces bases et ensuite, je vais rajouter, là comme vous voyez, en fait, ma base sera tout ça en toile de jute, je pense. Et il n'y a que le bas, voire le haut, je ne sais pas, je verrai, où je mettrai un tissu pour les différencier. Donc en faisant plusieurs tailles, des grands, des petits, etc. Dans mon organisation, ce que je voulais dire aussi, c'est que comme je ne fais pas des grosses pièces, je ne fais pas de vêtements, je fais beaucoup d'accessoires. Donc ce que je fais, c'est que j'ai acheté des enveloppes en fait. Donc ça, c'était pour les masques. Donc ça, c'est les masques que j'ai fait à ma fille. Ma grande fille, hein, qui a allé à Disney entre les deux confinements. Donc j'ai des pochettes comme ça. Et dedans, donc je retape en fait. Voilà. Je retape, parce que généralement c'est des tutos sur YouTube que je regarde. Donc au fur et à mesure, je les note. Voilà, comme ça, moi après, j'ai plus qu'à ressortir la fiche. Parce que vraiment, c'est des petits projets. Hein. C'est sûr que je pense que si c'est des gros projets, c'est moins facile. Donc voilà, ça c'était les Charlottes. Ça, c'était le pochon. Et la trousse. Je vais essayer de vous tourner un ou deux tutos super faciles. Donc, pour si jamais ça vous dit, à la limite, c'est vraiment, ils sont tellement simples que vous pouvez limite le faire à la main. Moi, je vous dis, je suis hermétique à la couture à la main, je ne supporte pas. Mais à la limite, ce sera peut-être un peu plus long, mais vous pouvez le faire également à la main, tellement c'est simple, quoi. Donc voilà. Donc, en fait, j'ai décidé de vous montrer tout de suite dans cette vidéo comment fabriquer donc un pochon ou un sac à projet pour tricot ou autre. Et je l'incorporerai directement à cette première vidéo couture. Parce que comme disait mon papa, tout ce qui est fait n'est plus à faire. C'est parti! Donc pour réaliser ce pochon, vous allez avoir besoin d'un coupon principal de 0,68 cm sur 0,32. Donc moi mon coupon principal ce sera du lin, donc qui correspond donc au haut du pochon. Donc ce sera du lin que je vais repasser bien évidemment. Un coupon de la même taille, donc 0,68 cm sur 0,32 pour la doublure, qui moi sera un tissu écossais. Pour le fond du pochon, vous aurez besoin d'un coupon de tissu de 0,35 cm sur 0,32. Voilà. Vous aurez besoin pour fermer le pochon, donc pour le haut, d'un ruban de 80 cm à peu près. Alors moi, j'ai pris, pour l'instant, j'en ai pris deux parce que je ne suis pas encore arrêtée sur la couleur de finition. Je verrai quand le pochon sera terminé. Donc j'en ai pris un rouge ou un plus doré, on va dire caramel, pour rappeler le lin. Donc je ne sais pas encore. Et puis pour fignoler, comme c'est un pochon pour mes chaussettes de Noël, des petits grelots. Voilà. Alors moi, pour couper mes coupons, comme c'est un pochon ou un sac à projet que je fais quand même régulièrement en ajustant la taille, je me suis découpé on va dire, des patrons. Alors vous pouvez acheter des feuilles à patron, vous pouvez vous servir de papier craft. Moi personnellement, bon, j'ai des feuilles à patron, mais je récupère en fait quand j'achète un meuble Ikea, je récupère les feuilles, vous savez, c'est un peu les feuilles de soie qui est à l'intérieur. Et hop, donc je coupe mon patron et je note dessus ce que c'est. Comme ça, je n'ai pas à recompter à chaque fois. Et je le mets dans ma petite pochette que je vous ai montré tout à l'heure. Comme ça, j'ai tout sous la main. Voilà, donc il n'y a plus qu'à. C'est parti. Donc déjà, il faut que vos pièces de tissu soient bien repassées pour pas que vous ayez des écarts ou de mauvaises surprises. Donc on repasse les pièces. Voilà. Pour que tout soit bien net. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que comme moi, j'ai pris du lin, enfin. Le lin, je ne sais pas si vous voyez, mais ça s'effiloche beaucoup. Donc, pour pas qu'il s'effiloche une fois que le sac sera fait, je vais lui coller du tissu thermocollant qui va le fixer en fait.
Donc le tissu thermocollant a une face un peu rugueuse et une face brillante. C'est cette face-là que vous devez déposer donc sur le tissu que vous voulez, sur l'envers du tissu que vous voulez thermocoller. Il faut savoir qu'il faut surtout pas le repasser avec de la vapeur. Donc vous enlevez la vapeur du fer à repasser et vous faites par petite pression. Pour que le thermocollant adhère bien au tissu. Enfin, moi je fais ça, mais vous, si vous avez un tissu classique, c'est pas la peine, hein. Sauf si vous voulez que votre pochon soit un peu plus rigide, on va dire. Parce que notamment celui-là, il est pas du tout, il n'y a pas du tout de tissu thermocollé. Donc il est mou en fait. Voilà, c'est un pochon. Donc où vous utilisez un tissu, c'est la toile de jute comme moi, et du coup, pour éviter que ça s'effiloche partout, surtout sur les côtés, vous mettez un tissu thermocollant. Ou vous pouvez aussi utiliser le tissu thermocollant pour rigidifier votre pochon sur du coton. Donc maintenant, j'ai plus qu'à découper les bords. Je vais repasser mon petit coupon qui me reste. Je remets la vapeur. Voilà. Ensuite, vous prenez votre petit coupon. Sur la partie, là vous avez 0,35, 0,32. Sur la partie, pardon, 0,32, vous repliez à peu près d'un centimètre. Vous repassez voilà, les deux côtés. Vous repliez le tissu de façon à marquer le centre. Bon là, si je vais quand même mettre des épingles parce que comme c'est un tissu qui bouge. Hop. Hop. Donc, vous repliez le tissu de façon à repérer le milieu, en fait. Vous avez le milieu. Hop. Vous marquez. Voilà. Et vous marquez le milieu avec une épingle. Ensuite, sur votre coupon principal, vous le repliez en deux. Vous le pliez en deux. Vous marquez le milieu, pareil que sur le petit coupon. Vous épinglez de façon à marquer le milieu. Voilà. Vous l'ouvrez et vous déposez le petit coupon milieu contre milieu. Vous avez les deux épingles milieu contre milieu. Voilà. Voilà, le milieu est bien contre le milieu et vous épinglez. Donc je vais pouvoir enlever celle-là maintenant et vous épinglez tout le tour. Hop. Voilà, le tissu est un peu dur, hein, du coup, comme il est thermocollé. Voilà. Tout le tour.
Voilà. Et une fois que tout ça, que vous avez bien épinglé le tour, vous allez coudre, alors, comme vous voulez, à la main ou à la machine. Moi, personnellement, ce sera à la machine. Vous allez coudre les quatre côtés. Comme ça. Bon, évidemment, en faisant les points d'arrêt au début et à la fin pour pas que le tissu bouge. Donc voilà ce que ça donne. C'est parti, on coud. Bien, nous avons cousu donc notre petit coupon sur notre coupon principal. Nous allons maintenant plier le coupon principal endroit contre endroit, en faisant bien attention que le tissu ici ne biscotte pas. Nous allons prendre un petit carré. Donc moi, il est déjà prédécoupé de 5 cm sur 5, de façon à découper les bords et de faire un peu le, on va dire, le fond du pochon. Voilà. Voilà. Et on découpe. Je vais prendre le gros ciseau. Là, j'ai beaucoup de tissu. Vous aurez moins si vous n'avez pas de toile de jute. Hein. C'est vraiment parce que j'ai la toile de jute, le tissu thermocollant. Donc, ça fait beaucoup d'épaisseur. Voilà. Voilà, ça. Et l'autre côté, pareil. Alors, vous allez faire cette opération aussi sur le coupon doublure. Donc, pour les angles. Hein, donc, j'ai beaucoup de matière là. J'espère que la machine, elle va pas râler. Hein. Donc, voilà, vous avez ça. On fait la même chose sur le coupon doublure, donc on le plie en deux. Ah, je sais pas du coup si vous avez vu quand j'ai coupé avec la caméra. Bon, vous allez voir sur celui-là. Je repasse un petit coup, moi, parce que j'aime bien que tout soit bien droit. Bon, lui, je vais pas tracer parce que comme c'est un tissu écossais, bah, je mets des lignes. Donc, 500, mais vous tracez hein, si c'est un tissu uni ou pas. Ou si vous n'avez pas de repère. Voilà. Sur l'écossais, c'est facile. On suit les lignes. Voilà. Voilà, alors maintenant sur le coupon principal, on va épingler les deux côtés ici et ici en faisant bien attention à ce que les deux alignements de du tissu, le fond du fond, soient bien face à face. Voilà, donc ça s'assombrit là. Je sais pas si vous le voyez à la caméra, mais la lumière baisse un peu. Donc pareil de l'autre côté, on vérifie bien que tout soit en face. Bon, alors je vous le dis à chaque fois que je le fais celui-là, je me retrouve à la fin, je ne suis pas en face. Après, vous voyez, je ne suis pas une experte, hein, il y a des grosses erreurs. Il y a, voilà. Donc je fais comme je peux. Si vous êtes plus expérimenté que moi, vous y arriverez mieux, ça c'est sûr. Donc voilà. Donc les deux côtés sont épinglés. Donc après, à 3 cm. Et tout, voilà. On va faire une marque à 3 cm du haut, de façon à garder un espace pour passer ensuite le ruban. Donc 3 cm et encore 3 cm. 3 cm. Hop. On n'a pas besoin de tracer 13, qu'en fait, ce qu'il nous faut, c'est juste la démarcation quand vous allez coudre, de penser à pas coudre sur cet intervalle en fait. Donc ici. Donc pensez ici à ne pas coudre. Vous cousez avant, après, mais pas au milieu. Donc voilà, j'ai cousu les bords en laissant bien les 3 cm ici d'ouverture.
Maintenant, je vais prendre donc le coupon doublure. Je vais faire pareil. Donc, je vais couper les bords ici. En pensant bien à laisser... Alors, moi, je vais laisser une grande ouverture. Parce que comme le tissu est rigide avec la toile de jute, il me faut une grande ouverture pour pouvoir, une fois que tout sera cousu ensemble, de pouvoir retourner le pochon, en fait. Donc, moi, je vais laisser une grande ouverture. Vous n'avez pas besoin de laisser beaucoup. Vous laissez, je sais pas, 5-6 cm. Moi, je vais laisser une grande ouverture pour pouvoir bien retourner et coudre après. Voilà, donc, maintenant, pour former le fond du pochon, vous allez replier les angles, en fait. Vous voyez, je vais plier les angles et vous allez épingler. Peut-être plus pratique comme ça. Voilà, vous allez épingler. Moi, c'est épais, hein, comme je vous dis. Moi, j'ai beaucoup de tissu. Donc, vous allez épingler là. Bon, j'aurais pu mettre des... J'aurais pu mettre des petits... Ce sera plus simple. Hop, pareil de l'autre côté. Pareil de l'autre côté, bien aligner les tissus. Hop, c'est plus pratique. Hop. Voilà. Alors, ça, je vais le coudre. Je vais le coudre, je vous montrerai après. Je l'ai déjà fait sur la doublure. Donc, vous faites la même chose sur la doublure. Vous repliez. Vous mettez des épingles et vous cousez. J'ai cousu les côtés. Voilà. Maintenant, j'ai plus qu'à le retourner. Je le mets sur l'endroit. Hop. J'arrête pas de dire hop. Voilà ce que ça donne. Oh mince. Il va falloir, je vais le reprendre. Ah ben non. Hop. Donc, on le retourne sur l'endroit. Voilà. Donc là, vous avez les deux petites ouvertures qu'on avait laissées pour le ruban. Hop. Et donc, endroit sur endroit, vous prenez le coupon de doublure et vous le laissez à l'envers. Donc, ça veut dire que vous mettez, vous l'enfilez endroit contre endroit. Hop. Voilà. On met bien tout aux angles. Et là, vous l'épinglez en haut. Vraiment sympa avec cette texture, en fait. J'aime bien le pochon qui est mou aussi, mais celui-là, je vais voir, on verra au final, mais il a l'air assez sympa. Hop. Voilà. Donc, tout le tour est bien attaché. Donc, maintenant que tout est bien assemblé, vous allez faire une couture à peu près 1 cm tout le tour du bord. À la main ou à la machine, toujours. Voilà, donc tout le tour a été cousu. Maintenant, il vous reste plus qu'à utiliser l'ouverture que vous avez laissée dans la doublure pour retourner votre sac. Donc, je ne vais pas vous le filmer. Oh, peut-être. Oh, bah si, ça a l'air de bien se passer. J'avais peur qu'avec tout le tissu que j'ai, ce soit... Bon, après, j'ai laissé une grande ouverture. Hein. Vous, je pense que vous avez laissé moins. Alors, vous rentrez bien la doublure à l'intérieur. C'est vraiment très beau, je trouve. Hop. Je vais même peut-être laisser l'eau. Normalement, il n'y a pas le. Je laisse pas le revers parce que normalement la doublure rentre bien. Sauf que là, comme c'est un tissu rigide, oh, ça peut faire sympa. Je vais peut-être le laisser comme ça, ouais. Vous pensez? C'est joli comme ça. Ouais, je vais le laisser comme ça, je pense. Voilà. Ça pluche un peu.
Ouais, je pense que je vais le laisser comme ça, c'est assez sympa. Je vais passer un coup de fer pour le stabiliser quand même. Là, je repasse sur une planche maison, faite maison en fait. C'est une planche à repasser, c'est ce que je vous disais, une planche à repasser que j'ai faite moi-même. Je vous montrerai sur une petite, que ça c'est le grand format, je crois qu'elle fait 50-70. Et je vais en faire une plus petite pour quand c'est des petits projets, j'ai pas besoin d'une grande planche. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Ensuite, je vais aller refermer à la machine. Vous pouvez le faire à la main parce que du coup, vous avez l'ouverture qui vous a servi à retourner le pochon, enfin la doublure, qui reste ouvert. Donc là où vous le faites à la main, moi je vais le faire à la machine. Je vais faire un point comme ça. Je vais faire à la machine, comme ça, tout sera propre. À tout de suite. Voilà, donc la doublure est cousue. Ce qui reste à faire maintenant, on a presque fini, c'est de tracer un trait, enfin deux traits à 2 cm du bord, enfin du coup moi plus parce que j'ai laissé la doublure, de façon à relier pardon, les deux ouvertures pour les rubans. Pas très clair, mais bon. Donc là, je fais pas, moi, enfin, à force de les faire, je compte plus 2 cm, je regarde juste où tombent les deux arrêts couture. Alors j'utilise des crayons qui s'effacent. Voilà, donc 3 cm, 2 cm et 3 cm. Il s'efface vraiment beaucoup petite. Je repasse. Vous voyez les traits? Ok. De l'autre côté aussi. Peut-être le faire en bleu, ça se verra peut-être un peu plus. De toute façon, ça s'efface après, hein. C'est pas la couleur, c'est pas grave. Mettez pas du marqueur, hein. Ça c'est du feutre spécial tissu, hein. Vous mettez un coup d'eau dessus et ça part. Mais n'utilisez pas des marqueurs permanents ou des trucs comme ça. Hein. Je vais repasser un coup sur le rose parce que ça se voyait pas beaucoup. Voilà. Donc là, il vous suffit juste de coudre au point droit tout le tour en fait. Voilà, tout le tour. Et je vous reprends. Donc votre petit sac à projet est presque terminé. Donc vous avez fait la couture le long des lignes. Donc en fait, je me suis trompée, c'est pas un ruban qu'il vous faut de 80 cm, c'est deux rubans de 80 cm. Bon, du coup, j'ai pas réussi à me décider, donc bah je vais prendre les deux. Donc vous prenez une épingle à nourrice, vous l'accrochez dans le ruban, vous refermez votre épingle, vous passez donc dans l'ouverture qui est restée ouverte du coup. Moi c'est pareil, hein, vu que c'est épais, ça va être un peu plus long. Voilà, vous faites tout le tour en fait jusqu'à revenir de l'autre côté. Rubans se rejoignent donc du côté où vous êtes rentré et vous faites la même chose au deuxième ruban mais par contre dans l'autre trou et vous faites pareil, vous faites tout le tour jusqu'à ce que l'épingle à nourrice rejoigne votre ruban de l'autre côté. Donc maintenant, nous allons positionner nos petits, pour ma part, grelots. Après, vous pouvez mettre des grosses perles en bois, vous pouvez mettre ce que vous voulez pour finaliser. Alors, ce que vous faites, voilà, vous prenez une grosse aiguille à laine, on va dire. Vous repliez votre ruban de façon à ce qu'il se passe bien. Vous le passez dans un sens, en ce qui concerne les grelots, hein. Vous le passez dans un sens. Voilà. Hop. Passez comme ça, vous prenez le second. Hop. Oh, pardon. Je l'ai lâché.
Hop, vous le passez dans l'autre sens, histoire de croiser les rubans. Alors moi, en ce qui me concerne, je vais faire comme vous voulez. Après, vous pouvez le faire à la main ou à la machine. Moi, je vais faire, je vais couper, hop. Je vais soigneusement faire un point à la machine, comme ça, en rejoignant les deux rubans et en faisant un point. Voilà, donc moi j'ai fait mon point, vous pouvez le faire à la main comme je vous dis, hop. Alors petite astuce, si jamais votre ruban s'effiloche, vous pouvez, faites attention quand même, si c'est un ruban en nylon, sans toucher le ruban, vous approchez et en fait la chaleur rétracte les fibres et ça empêche de s'effilocher. Voilà, c'est une petite astuce. Bon, je le fais quand même comme ça, ça évite qu'avec le temps, voilà. Donc ça se rétracte sans le toucher, vraiment il ne faut pas le toucher et donc les fils se rétractent et se soudent entre eux. Donc vous repositionnez bien le petit gros lot jusqu'à la couture. Bon après il y a certainement des techniques plus jolies et tout, hein. Franchement bah, comme je vous dis je suis débutante donc voilà. Donc voilà notre petit pochon fini, il n'y a plus qu'à tirer. Hop. Et voilà. Notre petit pochon ou sac à projet pour la couture, le tricot de Noël. Avec les petits grelots au bout. Et voilà. Donc j'espère que ce tuto vous a plu. C'était mon premier. Alors il y a certainement des erreurs, des choses où je suis passée trop vite. Ou voilà. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et voilà, donc pour ma part, ce petit sac à projet ou sac à pochon sera mon sac à projet pour mes chaussettes d'antan dont je vous ai parlé dans l'épisode laine à tricot. Voilà, bah, je vous souhaite une bonne soirée et merci de m'avoir écouté. Et surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous!